Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cher Père, je vous remercie de votre accueil. Je n'ai pas tout compris, je vous l'avoue humblement, mais je participe, je communie à ce que vous avez dit. Je dois à l'amitié de notre ami Pierre d'être ici ce soir et je suis heureux de rencontrer la communauté des Vietnamiens de Toulouse. Et ça tombe avec la nouvelle année. Je crois que vous l'appelez l'année du singe. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit que le singe était un animal qui avait l'habitude d'imiter et nous entrons en carême. Alors je pense à vos racines vietnamiennes, où vous vivez cette nouvelle année du Saint, et en même temps nous entrons en carême, où nous sommes invités à imiter Jésus-Christ. Donc faites de cette année et de ce carême un temps d'imitation du Christ. Regardons les uns et les autres dans notre vie ce qui ne correspond pas très bien à ce que le Seigneur nous dit dans l'Évangile. Regardons ce que nous allons changer pour que notre vie soit davantage en cohérence avec les exigences de l'Évangile et que nous ressemblions davantage à celui que nous prétendons imiter et dont nous sommes les disciples. Je voudrais spécialement au cours de cette messe, nous prions pour tous ceux et toutes celles que vous connaissez, que nous connaissons, qui sont en difficulté. Mais je pense spécialement à vos frères, vos soeurs, vos parents qui sont peut-être dans un pays où ils sont persécutés pour témoigner parce qu'ils témoignent de leur foi. Leur exemple héroïque doit nous inviter nous aussi à entrer généreusement dans ce carême pour faire de ce temps de grâce un temps de conversion. Prenons le temps de regarder notre vie, de voir ce qu'il faut changer, de voir ce que le Seigneur nous invite à convertir pendant ce temps de carême. Et demandons-lui la grâce et la force de le faire. Hãy nói với Aaron và các con ông ấy rằng khi chúc lành cho
anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và chú lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Ơn phù hộ tôi lên từ Đức Chúa, là đấng dựng nên cả đất trời. Retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui encore qui agira. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Parole du Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés
pour l'injustice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ti amo a ti è. Le père Pierre m'indique que dans notre pays d'origine, les vœux du Nouvel An portent sur trois points. Le bonheur, la prospérité, la longévité. Avec lui, avec vous, j'essaie de comprendre chacun. D'abord, la durée de vie longue. Nos ancêtres, au Vietnam comme en France, mouraient plus jeunes. Aujourd'hui, avec le travail passionné de la recherche médicale, nous craignons beaucoup moins de mourir jeunes. Pour pouvoir nous entretenir, souhaitons-nous le courage de prendre le temps de nous reposer, de nous soigner. Ensuite, la prospérité, richesse, réussite, succès. La richesse, l'argent ne fait pas le bonheur. Tout le monde le dit, du moins en France. Souhaitons de pouvoir gagner notre pain de ce jour, nous protéger du chômage, mener une vie honnête comme nos parents nous l'ont enseigné. La réussite et le succès, nous touchons là au rêve de ceux qui travaillent davantage à la vue des autres, les politiques, les gens du spectacle. Dans une réunion de prêtres, au moment des élections, l'un d'entre eux a expliqué qu'il avait eu la visite d'un paroissien nouvel élu. Il avait remarqué chez lui à la fois une motivation sincère, la conscience du risque de la réussite à tout prix. Il est là le prêtre qui a dit cela. Enfin, le bonheur, le mot le plus universel apparu sur la terre des hommes. Voilà ce que je peux comprendre des vœux vietnamiens que vous portez tous en ce jour de fête dans votre cœur. Notons bien, ils viennent s'ajouter, enrichir, compléter ceux de notre pays, du Vietnam. Ils nous indiquent le chemin. Et en ce temps de carême, c'est vraiment ce qui nous apparaît. Un combat. Nous nous recueillons.
Và kết lại thì Ngài nói rằng tiền tài danh vọng không có cả là hạnh phúc. Sợ nhất là cái thất nghiệp, cái việc làm. Và chúng ta có thể thêm, ai mà có gan á thì sẽ làm giàu, nhưng mà nhớ làm giàu để chính đáng, làm giàu để công minh thì mới có được cái lòng. Và cái lòng theo cái văn hóa tập tục của chúng ta đó là đạo lòng phải có mấy cái nhỏ như thế này, tức là phải có con cháu và gia đình xung quanh. Ngài dẫn vào tâm cái lòng, cái họ đã dẫn vào tâm để gặp những phúc. Phúc theo cha là lẽ hướng dẫn là 81 phút thật mà Chúa Giêsu nói trong bài tâm hôm nay. Xin lưu ý anh chị em là tất cả mọi người chúng ta sau thánh lễ này chúng ta được hưởng cái phúc đó, cái lòng đó, và chúng ta sẽ được cái thọ trong đó. Thì chúng ta cố gắng làm thế nào để cái diện người dọn nó sạch sẽ, nó gọn ghẽ cho cái nơi mà chúng ta đang hướng dẫn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người để mọi người được buông nắng. Ông cha ngài sẽ nói buông nắng Việt Nam, buông nắng Mexico này bên này. Tout ce qu'il nous a fait, et nous demandons pardon pour tout ce que nous avons mal vécu. C'est aussi le moment de prier pour le temps nouveau que Dieu nous donne. Seigneur, nous nous présentons à toi, tel que nous sommes. Donne-nous ton esprit pour bien accueillir ta parole et savoir prier les uns pour les autres. Lạy Chúa, trong những ngày tháng qua, xin Chúa thương tha những lỗi lầm của chúng con. Và những tháng ngày sắp tới, xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn chúng con sống, chúng con sống theo Thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Livre du nouvel an porte à tous les rêves, bonheur, prospérité et longévité. Que notre Seigneur fasse rectifier ses vœux pour nos prochains. Những ngày đầu năm, chúng con chúc nhau hạnh phúc, thành đạt và dồi dào sức khỏe. Nguyện xin Chúa thực hiện những ước nguyện của chúng con cho thân bằng quyến thuộc và anh chị em trong cộng đoàn chúng con. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Que nos proches qui vivent difficilement, qui soient dans la paix et aient la liberté d'exercer deux fois. Chúng con nhớ đến quê hương và giáo hội Việt Nam dấu yêu. Xin Chúa ban ơn bình an và ơn tự do hành đạo cho người thân được no ấm và sống an vui. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa. Amen.
et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Robert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Và xin Chúa cũng cho đất anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên và cha mẹ các bạn quyến thuộc của chúng con đã đi trồng trong thời chân của Chúa. Xin cho hết thảy được vào phượng tôn nhan Chúa. Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps et de tous les pays, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Et le devoir être là.
Con kính dâng lên Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và ông bà. Anh chị em lời cảm ơn về sự hiện diện và hiệp ý cầu nguyện cho cộng đoàn chúng con. Chúng con có chúc quà kính yêu quý cha trong dịp xuân Bính Thân và lì xì cho các trẻ em để khích lệ chúng tìm hiểu văn hóa tập tục Việt Nam. Reverend et cher Monseigneur évêque et père ami de la communauté catholique vietnamienne, nous vous remercions de votre présence et votre prière. Nous vous offrons un petit cadeau avec nos vœux pour la nouvelle année du Saint-Jean, année Bình Thân. Et pour faire comprendre aux petits-enfants les coutumes du tête, des enveloppes rouges leur seront remises par le plus ancien. Tất cả cộng đoàn chúng con ở Toulouse xin được gửi đến cha lời tri ân cảm tạ sâu sắc nhất. Trong suốt thời gian dài trải qua bao nhiêu thăng trầm của cộng đoàn, với bao công sức khổ nhọc của cha thiên lý, cộng đoàn chúng con đã có một diện mạo như ngày hôm nay. Nhân dịp đầu xuân, cộng đoàn chúng con không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn và những lời cầu nguyện chân thành sốt mến nhất đến dành cho cha thiên lý. Chúng con cũng xin cảm ơn tất cả quý cha đồng lễ, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả cô bác chú dì, bạn bè thân hữu đã tích cực đóng góp, giúp đỡ, hy sinh cộng tác để cộng đoàn có một ngày lễ đầu năm long trọng, sốt sắng và thành công tốt đẹp. Chúng con xin cảm ơn. Thank you.
Thank you.
Donc nous-mêmes, vous avez des questions. Chị nữ từ Việt Nam, một đám ca sĩ chị đã bắt tay